Team Pro qui sont en ce moment en pause du High Roller. Guillaume et Jean-Philippe. On va avoir Rebecca pas loin qui va venir nous rejoindre. Comment ça se passe? On voudrait juste avoir un peu de news de vous quoi, sur le, sur le tournoi. J'ai une table difficile. T'as Romanowski, j'ai vu, mais il était très short. Il a bust ouais, quoi. Je l'ai fait doubler déjà. Pour 9000. Enfin, je l'avais déstacké. Je l'ai fait doubler. T'as Jean-Jacques Mars ouais. Non. Jean-Jacques, il est passé à la table derrière. Et puis, il y a tous les Sud-Africains. Et j'y mets bottes. Et la table, elle est coupée. Voilà. J'ai perdu des gros coups là, dernièrement, j'ai perdu plus de 70 000, notamment avec deux dames contre deux deux, on a fait pour l'an deux. Voilà. Et après beaucoup de petits coups, j'ai touché beaucoup de mains et j'ai perdu des paires de valets avec deux overs sur le flop. Je sais mettre dessus, je perds, j'ai dû lâcher As-Roi quoi. Après. Il y a un coup bizarre quoi, je raise 1500 en TG, je suis payé par tout le monde, jusqu'au bouton, où le bouton fait 8000, j'ai As-Roi de carreau, je décide de payer les 8000, et là celui qui est juste à ma gauche, donc qui était UTG plus 1, il fait tapis pour 36000. Truc incohérent, et le bouton il réfléchit 2 heures pour passer, et puis bah moi aussi en fait. Voilà. Donc voilà, plein de coups comme ça. C'est pas souvent qu'on le voit jeter à ce roi quoi, surtout ouais, ce qu'il fait. Il est trop bizarre le coup, je comprends pas. Et puis le gars au bouton qui est son copain, il jette, mais il veut pas que la fille mette dans le muck, il veut absolument montrer à son copain la grosse main qu'il a jetée et tout. Alors je lui dis, ça se trouve, il jette le roi. Donc il va m'enlever 2 cartes en plus, si jamais si je suis en fuite. Je sais vraiment pas sur quoi les mettre les deux, donc voilà, j'ai lâché. Bon, tu te sens en forme quand même? Ouais, ça va, mais la table est compliquée, donc j'ai eu 2 fois les As, et 2 fois c'est les 2 seules mains, 3 niveaux où j'ai eu un roi. Incroyable. Comme sur le main. Je suis payé tout le temps, ouais, pareil. Mais sur le main, c'était pareil, non? Il me semble que tu as eu 2 fois les As et que tu t'es pas payé. Je sors. Donc, bon, je sors, je fais 3000. On va attendre. Je fais 11000. Je suis quand même au-dessus de la moyenne pour le moment. Mais c'est pas bien. À tout à l'heure. On leur fait des belles horreurs. Ta spécialité. Et voilà, là on a nos 3 autres pays. Et Sultan qui est avec nous, il est avec l'équipe PMU avec un beau pull à Abercrombie. Absolument, spécial dédicace. Spécial dédicace. Philippe, comment ça se passe pour toi? Bah, j'ai plus de fac, moi je suis en Brésil. Il va aller faire les courses chez Abercrombie. Qui m'a tout pris en fait. En 2 fois. Il a touché un 10 à la river qui a donné la quinte ventrale, un valet à la river. Alors qu'il était, il avait R au départ. Et après, As valet contre As dame. Et dès le départ, je sentais qu'il n'allait pas les monstres. D'ailleurs, il fallait tout s'embrasser. Il a duré 4 niveaux. Bon, on te retrouve de toute façon dans pas longtemps à Madrid. Voilà, exactement, à Madrid. On verra, on va oublier tout ça. Rebecca? Ben moi je suis short encore, on va changer. 24000, mais j'ai pris que des mauvais coups. À cause du t-shirt. Ouais, tu as vu le t-shirt. Je confirme pour jouer à sa table, elle a pris des coups horribles quoi. Raise me, c'est ça? Non, oh, bluffing. Bluffing, I'm famous. Non, mais que des bons jeux craqués, donc je peux pas m'en vouloir. Et toi Jean-Philippe, comment ça se passe? C'est dur, il y a Rêve qui n'arrête pas de m'embêter. Ouais, c'est ça. Elle me pique tous les champs, donc c'est dur. Sinon, on a 2-3 bons joueurs. C'est quoi bien? Il y a des Hollandais. Des Hollandais. Sud-Africains? Non, il y en a qui parlent. Sud-Africains, c'est bon. On a 2 bons joueurs. Voilà, Sultan là qui vient de faire un bluff magnifique. Ah ouais, il a fait un bluff magnifique contre le jeune sud-africain qui est bon là.
je pense qu'on va, en tirer parti, il peut tilter maintenant. Je pense que ça peut le mettre en tilt, c'est fait pour ça, je l'ai ouvert pour ça. Vas-y, raconte. Il a travaillé pour nous. Je raise au cutoff, la 8 de pique, une 3 bêtes, je colle une 3 bêtes. Au flop, As 10, tirage cœur. Je check, il envoie 3000, je flotte. Turn, valet de cœur, je check, il envoie 7000, je peux stopper. Il t'a montré ou pas? Non. Bon, moi je lui ai montré. S'il a des As, valet, il paye. Il paye. T'es malin. Ah, il y a un mec qui m'a dit, tu sais que s'il a As, il paye. Ah bon? Bon, on vous retrouve au prochain break pour avoir des nouvelles. Rendez-vous dans. Le prochain break, c'est la fin du mois, je crois. Ah c'est oui, bon. Oui, il n'y a plus de break. Ah oui, on reste deux niveaux. Il y aura plus de break. Ouais, deux niveaux encore. Merci à tous.